Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Yo les bros, ici Master, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui a été très demandée et que, en fait, comme moi je cherchais sur YouTube pour avoir un kite parfait, je n'ai pas vraiment trouvé la réponse tout de suite. Et du coup, bah, je fais cette vidéo comme ça. Je pense que beaucoup d'entre vous auront la réponse tout de suite, c'est comment avoir un kite parfait. Un kite, c'est quoi? C'est le fait de hit and run l'adversaire, donc le taper en reculant pour créer de la distance et ainsi maintenir un DPS constant tout en restant safe, tout simplement. Le risque, c'est que, par exemple, vous êtes en train de kite, je sais pas, Inari, imaginons. Déjà, vous êtes au corps à corps, c'est difficile. Alors, vous la kitez, et là, vous miscliquez, sans faire exprès. Elle vous met un bisou, full burst, vous êtes mort. Donc déjà, mon schéma de jeu est pas très concret, puisque on aurait kite back, plutôt comme ça. Et imaginons, hop, vous faites un fail, et vous cliquez à côté, vous vous rapprochez de la réelle, vos bisous, full burst, vous êtes mort. Comment contrer ça? C'est tout simple. Vous avez dans les raccourcis, vous allez dans déplacement du joueur, et vous allez assigner à une touche, mouvement attaque joueur, qui est ici. Moi je la règle sur espace parce que c'est une touche qui est facilement atteignable pour ma part. Vous pouvez le mettre sur n'importe laquelle de vos touches, hein. Moi pour ma part c'est espace parce que c'est très facile pour moi. Et du coup cette touche espace, en fait, vous n'avez plus besoin en fait de cliquer sur la cible voulue. Vous avez juste besoin de cliquer à côté. Vous allez voir que votre AD carry va focus la première cible à sa rencontre. Ça peut très bien servir quand vous voulez check un bush par exemple. Si vous voulez vous diriger par là dans ce bush, au lieu de cliquer dans le bush et finalement il y avait quelqu'un, au lieu de mettre un petit temps de réaction de réaction justement pour attaquer l'adversaire, vous allez juste poser votre Q-click et du coup là le réflexe va être instant de taper la cible. J'en viens à une astuce, c'est que en gros par défaut votre AD carry, donc je vais du coup décocher la truc, vous m'avez compris, enfin, vous allez voir. En gros, cette case, en fait, si vous n'avez pas vu, vous ne savez pas, le Q-click par défaut, il va vous focus la première cible qui vient à l'encontre de vous-même. C'est-à-dire que là, si je veux taper cette cible, imaginons, voilà, je fais pas les choses correctement, je clique là. Malheureusement, elle va taper la première cible. Et c'est pas ce qu'on veut, nous. Nous, on veut taper la deuxième cible en étant moins précis, on va dire. Et ben on va aller dans les options, on va cocher cette case mouvement attaque sur curseur, c'est-à-dire que votre AD carry va focus la première cible la plus proche du curseur. Et donc maintenant vous avez vu que j'ai cliqué ici, j'ai attaqué le mannequin de droite, je clique au même endroit et je tape le mannequin de gauche, voilà. Et maintenant vous avez juste à faire ça, on va vous diriger avec le Q-click tout simplement. Donc voilà, entraînez-vous en bac à sable comme moi. Et là vous pouvez voir que, voilà, je prends H comme exemple parce que je trouve que H c'est très propre sur le kite et c'est beau à voir. Et c'est une meilleure démonstration que n'importe quel autre AD carry. Et pouvoir que voilà, mon kite est parfait. Y a rien à dire là-dessus. Je cancel aucune auto. Bah après, pour cancel les autos encore, ça va être compliqué. C'est une autre formule. C'est-à-dire qu'il faut s'habituer à la vitesse d'attaque. Mais bon, c'est une autre histoire. J'espère en tout cas que je vous aurai appris quelque chose, les gens. N'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un petit like, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir de vous montrer ça aussi. Et puis écoutez, à vous abonner si ce n'est déjà fait et que ma chaîne vous plaît, tout simplement. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Master, prenez soin de vous, ciao ciao les bros.